À peine installée que la coordinatrice du RHDP pour le Kabadougou attaque le terrain. Pour sa première sortie, Naseneba Touri a mis le cap sur Tiémé, une sous-préfecture du département d'Odiné. Elle y est allée pour galvaniser les populations, surtout la jeune féminine, pour une participation massive à la prochaine présidentielle. Pour elle, si le score peut être un acquis, il faut par contre réaliser un taux de participation important. Et cela commence par les femmes. En regardant la liste, je vois qu'elles ont été très organisées et enrôlées massivement pour ces élections. Et je les félicite parce que le choix du dirigeant du pays revient aux populations dans les villes, dans les campements, dans les hameaux les plus reculés, que désormais ils ne laissent plus quelqu'un d'autre choisir à leur place, qu'ils sortent massivement le 25 octobre pour voter à 100% pour le président Alassane Dramane Ouattara et que le soir du 25 octobre soit une victoire éclatante dans l'amour, la paix et l'union des cœurs de tous les Ivoiriens. Les femmes de Tiémé ont traduit leur reconnaissance au coup présidentiel pour les nombreux dons faits lors de la visite d'État, des dons qui leur permettent aujourd'hui de se prendre en charge. Elles ont promis sillonner tous les villages de la sous-préfecture pour sensibiliser leurs sœurs pour la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour avec un taux de plus de 98%. Car Tiémé ne veut pas rester en marge de la grande mobilisation du Kabadougou pour la victoire du candidat unique du RHDP.